Salut tout le monde, c'est Van Rack, on se retrouve aujourd'hui pour le 30e épisode de Mario et les Lapins Crétins. Jamais je n'aurais cru que j'atteindrais ce nombre d'épisodes sur ce jeu. Je pensais franchement qu'il était beaucoup plus court que ça. Mais il est vachement plus dur que je n'aurais cru. En tout cas, là, arrivé là où on en est, c'est vachement beaucoup. Vachement beaucoup, c'est très français ça. C'est vachement plus dur que ce que je pensais. Bref, la dernière fois nous avons combattu Bowser Jr. Qui nous a du coup laissé derrière lui le pauvre petit Spawny qu'on voit là. Le pauvre petit lapin qui a le casque, qui a fusionné avec lui. Donc on a récupéré Yoshi aussi. Et voyons, découvrons ensemble ce qu'il adviendra de ce pauvre petit Spawny. C'est parti. 4-6 réunis. Ah, ça y est, il est derrière nous, il nous suit. Ça va être de l'escorte à tous les coups. J'espère que ça va pas être de l'escorte jusqu'à la fin du jeu par contre. Parce que sinon ça va être très énervant. Ok. On voit un petit peu la suite. Ah, je pensais qu'on pouvait casser ou quelque chose, mais non. Ah, est-ce celui-là ou celui-là? Il s'entraîne pour remplacer Mario. Désolé, mais nous n'acceptons plus de héros à longues oreilles pour le moment. Bah, c'est son délire, laissez-le dans son délire, quoi. Bon. Oula, beaucoup de choses à pousser, à tirer, à machiner. Ok. Je ne sais pas du tout ce que je fais là. Je ne sais pas du tout ce que je suis en train de faire, mais une chose est sûre, c'est que je suis en train de le faire. Il doit y avoir un truc à faire avec ça, mais quoi? Ah, c'est la suite. Ah, bah attendez, on reviendra là après. Alors, bloop, ça fait bloop. Donc on sait que ça fait bloop quand c'est bon. Bloop. Est-ce qu'il a fait bloop lui? Non, il a pas fait bloop lui. Ah, il fait pas bloop lui. D'accord. Ok, je sais pas. Je comprends pas tout. Non, mais ça, c'est la suite, on a dit. Ouais. Je ne peux rien faire. D'accord, c'est une zone qui ne sert à rien, ou en tout cas... ça ne veut pas. Parce qu'il y a des blocs qu'on peut casser. Il y a des blocs qu'on peut casser, mais d'autres qui... Ça ne t'affiche rien, donc je ne sais pas. Je ne comprends pas la logique de cette énigme. Donc on ne va pas y rester 2 heures. Et on va avancer. Escorter Spawny. Mais c'est ça, c'est de l'escorte, hein. Comme avec Todd. Jusque là-bas. Ouais. D'accord. Ah, attendez. On est là. Donc faut aller là. Et tout droit après. Il y a un mec là.
deux là, et carrément deux dans la zone. Et carrément des Valkyries. D'accord. C'est mal barré. C'est très mal barré, d'ailleurs, je vous préviens. C'est très mal barré. Escorter Spawny. Ok, bon. Si je me mets là. Lui. Il peut venir là, mais est-ce qu'il pourra aller jusque là-bas après? On verra bien. Ah, il peut venir jusque là, mais pas le taper. Ah, zut, une torse de moins que ce qu'il faudrait. Ah bah oui, ça c'est vrai que c'est comme ça. Déjà, toi, tu bougeras pas. Ah, par contre, s'il me fait pousser dans le vide, ça, ça va pas le faire. Bref, sur ce... On va se mettre là. Et ça, ça machine Mario, donc c'est pas une bonne chose. Et ça, ça machine Mario, donc c'est pas une bonne chose non plus. Et je ne peux pas attaquer de l'autre côté pour essayer de casser les blocs. Parce que si on pète les blocs, c'est tout droit. Sinon, il faut faire tout le tour par là. Ce qui nous fait perdre du temps. Évidemment. Évidemment. Donc on va perdre du temps de toute façon, parce qu'on va venir... Ah, il peut pas venir jusque là. D'accord. Bon, on va perdre du temps en se mettant là, alors. En espérant qu'il... Ouais. Qu'il ne l'attaque pas tous. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas cool, ça. Bon, ils ont pété les blocs pour nous, c'est très bien. Ils ont pété les blocs pour nous, c'est très bien. Bon, ça, comme ça. Ah non, c'est pas les bons qu'ils ont pété. Ça, comme ça. Déjà. Ensuite, là. De dégâts, mais ça le tue pas de toute façon. Je sais que je perds beaucoup de temps. Que je vais perdre beaucoup de temps en faisant ce que je vais faire, mais je vais remettre Spawny ici. Et je vais essayer de le... Il est un petit peu. Voilà, 80 points de vie, c'est toujours ça de prix. 50% de chance de le toucher, c'est pas cool. Et ça, ça touche quand même elle. Donc, non.
Ah, les Valkyries, c'est des plaies. Hein. L'autre, il va healer, il va la soigner, je veux dire. La vache. C'est pas croyable. Boum, ça c'est fait. Ça. Ça peut l'atteindre, mais pas Mario. Donc on va déplacer Mario d'abord. Hop. Hop. Ça c'est bon, si je me mets là, hop, là, voilà. Ensuite, que je réfléchisse. Ouais, apparemment il n'y en a pas d'autres qui repoussent. Donc si j'arrive à éliminer ceux-là, je pourrais aller tout droit dessus. Alors, j'espère que c'est le cas. Si c'est pas le cas, ça le fait pas. Ouais, j'ai pas envie de perdre Mario, donc on va faire ça. Hop. Et là. Et là, on va faire ça. Ah, ça l'engluait. Ah, zut. Ah, si, il y en a d'autres qui poussent quand même. Zut. Bon, j'espère que ça va passer. Je le sens pas. Ah,
C'est dommage, à une case près. À une satanée case près. Si je me mets là, non. Mais si, ça le fait, ça. Ça, ça le fait, ça. Salut, ça va? Boum, ça c'est fait. Alors je prends mon temps, hein, c'est vrai, mais... J'essaye de faire les choses à peu près correctement. Pour essayer de le finir au maximum. Comme il faut. Voilà. Donc là, il y a que les deux qui poussent là-bas. Qui apparemment, vu les oreilles, seraient des Valkyries. Si je ne dis pas de bêtises. Là, on va mettre Mario à côté de Spawny, même si techniquement ça sert pas à grand chose. Voilà. C'est ça, des Valkyries. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai rien vu là. Avec la caméra, je ne sais pas du tout ce qu'ils m'ont fait à Spawny. Il est où? Ah bah... Merci l'ordinateur. Merci. Nickel. Parfait. J'adore. J'adore quand c'est comme ça. Non. Non mais là, le bug de caméra, en fait, je n'ai rien vu du tout. Mais alors franchement, merci. C'était nickel. Ça m'a fait gagner au moins 2 tours. Oh là. Encore une énigme à la noix. Ok. Alors ça, comme ça. Je sais pas ce que je fais. Je sais qu'il faut que j'avance, mais je ne sais pas du tout. Ah zut, pas cool ça. Ah, ça c'est pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. Du coup, faut bouger le verre. Ah mais du coup je bouge le verre mais je ne peux plus bouger là. Je veux mon champignon, ils ont besoin de vie hein, les gars là. Surtout Spawny. D'accord. Non, pas du tout. Pas du tout du tout du tout. Comme ça, ça ne marche toujours pas. Ah là là. Mais si, je suis bête. Mais non, c'est... Oui. Non. Ah, puis il y a un coffre là. J'avais pas vu. C'est un coffre normal donc il doit rien avoir de particulier dedans. De bien intéressant. Ah, il y a un mur là, évidemment. Mais. Mais c'est atroce cette phase là. Mais elle est juste atroce cette phase. Donc là, hop. Là,
toc. Tout ça parce que je veux le champignon. Tout ça parce que je veux ce satané champignon. Ça peut-être que ça fera. Voilà, là je peux avancer un peu plus loin. C'est atroce. Du coup, je vois même plus le champignon où il est. Ok, juste là. Il est juste là. Donc, là je peux accéder aux champignons, pas du tout. Me dis pas qu'il faut récupérer la statuette là. Sur là on n'a pas fini. Hein. Bon ça ça fait déjà. S'il faut la statuette. On n'a pas fini. Et il faut la statue. Une avalanche de pièces. Bon. Ah, complètement, la sortie, elle est là. Ça, c'est juste pour accéder à je ne sais pas quoi. Ouais, c'est pas grave. C'est pas un drame. Allez, hop. Moi, je fais ça en off, parce que là, on va pas y passer la journée. Par contre, ça a pas beaucoup guéri ce pauvre petit spawny quand même. Je tiens à le préciser, le champignon n'a pas eu beaucoup d'effet. Regardez-les, la vie c'est le bois cousu, c'est ça. N'importe quoi. Bon. Là, ça débloque quoi? Un coffre? Ouais. Ouh, une arme? Non. Ah non, non, une carte. Bon, ça, je peux pas. On finit le monde 4 pour le récupérer. Une illustration. Ok. Et on repart. Du coup, je suppose que c'est encore de l'escorte. Waouh, ça c'est beau par contre. Mes capteurs me disent que le gluant champignon est soit un poison mortel, soit une friandise. Il faut savoir quand même avant de le consommer, parce que... Dommage que je ne puisse pas le lécher pour savoir. Ah mais il faut savoir justement. Ça serait peut-être bien. Escorter spawny, est-ce que c'est loin cette fois? Ouf, il y a déjà 3... 4 là. 3 là. Vache, ils sont combien? Attends, il y en a 4 là. Et 3 là, oui d'accord. C'est bien ce que j'avais vu. Bon, alors, de là. Le tuyau, il arrive où? Le tuyau, il arrive là, si je dis pas de bêtises. Alors, de là, faut aller jusque là. Prendre celui-là, qui atterrit là. Purée la vache. Pour prendre celui-là, d'accord, il n'y a pas moyen de faire une ligne droite là. Donc là, 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 eh ben on n'est pas arrivé. Surtout avec les autres au-dessus là. On n'est pas arrivé les gars. Alors déjà ce qu'on va faire c'est un petit coup de... comme ça. Ça sert à rien. Ça fait pas avancer Peach.
Mais ça redonne un petit peu de vie à tout le monde. Je sais pas si c'est une bonne idée de le faire avancer quand même. Il arrive là. Ouais, je sais pas. On va le faire avancer de toute façon. De toute façon, il faut bien. De là, je ne vois pas. De là, je ne peux rien faire, quoi. En gros, ça sert à rien que je monte. Donc, on va le mettre là. Et de là, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, ça, de là, on peut faire ça. Il n'y a même pas moyen de monter. En fait, je peux même pas les attaquer. Je pensais pouvoir faire monter mon truc par là, mais non. D'accord. Non, non, non. Donc, en fait, je peux pas les attaquer. Faut bien que je vienne ici pour me mettre là. Et en fait, il aurait fallu pitch, quoi. En fait, il aurait largement fallu pitch. C'est ça, en fait, ça peut pas atteindre. Quoi, attends. Attends, ça aurait pu les toucher depuis le bas? C'est ça que t'es en train de me dire? Je suis pas convaincu, moi. Je ne suis largement pas convaincu, bon. Ah bah oui. Au moins. Au moins, au moins, au moins. Eh oui, continue, t'as raison. Ah, ça va, c'est Peach qui s'en prenne pour Aspony. Ah mais faut peut-être arrêter un moment quand même. Faut peut-être arrêter un moment ou un autre là quand même. Il les soigne. Et il les soigne. Ça d'abord, voilà. Ensuite, si je fais ça, ouais, si je fais ça, ça peut faire de l'effet, mais il faut déjà que je fasse ça d'abord et que je fasse ça ensuite. Voilà, merci. Parce que sinon ça aurait rien fait du tout. Comme ça, comme ça, comme ça. Ah, j'aurais pu mettre à côté, ça aurait touché plus de monde. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors, ça. Comme ça, ça peut faire pas mal de dégâts. Boum. Voilà, ça c'est bon. Toc. Ensuite. Ensuite.
C'est bien ce que je dis. C'est énervant de pas pouvoir constater ce qu'on fait comme dégâts en s'arrêtant là. Bon, on va faire ça, puis voilà. On va bien voir. On va bien voir. Bon. Donc là, en gros, ceux de là-bas, je peux pas les toucher. Sauf si je fais ça. Là, je peux en tuer 3 d'un coup. Sûr. Juste à côté de moi, je l'aurais pas, mais déjà ces 3-là, boum. Voilà. Ah, oh, puis Spawny est juste une case du truc. Ah, ça c'est dégueulasse. Ah, bah non, attends. Je l'ai pas encore déplacé, c'est vrai. Donc si je me mets là, il sera dedans. Non, parce que il aurait fallu que je le fasse avant. D'accord. C'est mal foutu leur truc, c'est pas grave. On va faire ça juste au cas où ça puisse fonctionner sur quelque chose. Ah, ça c'est pas cool ça. Ça c'est franchement pas cool. Bon. Le pauvre Spawny par contre. Il avance pas quoi. Non, non, c'est pas ça que je veux. Oh, mais non, mais c'est une blague. Regardez ça. Juste là, la case. Juste la case. Donc, pour avoir celui-là, il faudrait que je puisse monter. Donc, pour pouvoir monter, il faudrait peut-être que je puisse... On va se mettre là, hein. Tant pis. Hop. On va faire ça. Boum. Et de là, je devrais pouvoir peut-être monter ici. Voilà. Ça, comme ça. Toc, toc. Ouais, mais là, si j'attaque, c'est la pinpitch qui va prendre. Non, c'est pas la peine. Je préfère guérir. Hop. Ouais, je m'étais servi de ça pour rien du coup, quoi. Oh, désolé Lapin Peach. C'est pour essayer de protéger Spawny un petit peu. Oh, à un point de vie. Non mais c'est une blague. Mais c'est une blague. À un point de vie quoi.
un point de vie. Ah mais non mais... À un point de vie et pas mort quoi. C'est crade. C'est crade, crade, crade. Comment ça? Je peux pas descendre. Comment ça? Là de ce côté-là, je peux, mais de l'autre côté, je ne peux pas. Ah, parce qu'il est juste en dessous. D'accord. Donc tu vas faire ça, hein, tant pis. Non! Le curseur qui s'est décalé d'une case au dernier moment. C'est n'importe quoi. Du coup, je fais ça, tant pis. Hop. Bon, on arrive peut-être bientôt au bout. Avec un peu de chance, on va s'en sortir sans trop de problèmes. Avec un peu de chance. Ouais. Ah oui, il va pouvoir me shooter du dessus, là. C'est ça. Ouais, comme d'hab, des bugs de caméra, c'est génial. Du coup, je sais pas ce qui se passe. Ok, merci. Il me fait quoi? Ok, d'accord. Plus de points de vie, pratiquement. Et il me l'a foutu jusque là-bas. D'accord. Bon. C'est génial. C'est génialissime. Ah, bon, on va faire spawner en premier, hein. Zut, du coup, je ne sais plus jusqu'où ça faisait. Désolé, désolé, désolé. Si je fais là, ça fait jusque devant le cube de glace. Le bloc de glace, ok. D'accord. Ok, je pourrais me déplacer plus loin. C'est pas grave, on va se mettre là. Hop. Du coup, là, on fait ça. On fait ça. On fait ça. On va peut-être plutôt se mettre là, ouais. Il y a peut-être moins de chances que je touche le lapin si je tire ici qu'à côté. Pourquoi ça l'a pas? D'accord. Le carré vert, on est bien d'accord que ça allait jusque sur le sur spawny. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Il y a le truc de heal de notre cher lapin Peach. Super. Fais-le quand même, voilà. Yes.
Oui, mais non. Par contre, si je fais ça, ça peut être pas mal. Mais là, je suis capable de toucher Mario et Spawny, mais pas le lapin. Donc, on va peut-être éviter. Je vais pas y prendre le risque. Tac, voilà, ça c'est fait. Ok. Eux, je crains rien parce qu'ils sont beaucoup trop loin maintenant. Ok. Et là, du coup, lui, il peut finir directement. Voilà. Ouf. Heureusement que l'autre avec son attaque m'a poussé. Parce que finalement, ça m'a bien aidé. Ouh, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une coupe en or. Avant de poursuivre, je vous rappelle que la sécurité de Spawny doit être notre priorité absolue. Personne ne doit quitter Spawny des yeux une seule seconde. Là, il est derrière eux à tous les coups, il s'est fait enlever déjà. Il suffit qu'ils disent ça pour que là, on le voit pas et il s'est fait enlever. Bingo. Le destin du royaume champignon dépend de son retour à la maison sain et sauf. J'admets qu'il y a eu des erreurs, j'en ai peut-être fait une ou deux moi-même. Mais maintenant que Spawny est avec nous, je sais que rien ne nous arrêtera, n'est-ce pas Spawny? Tout à fait. Spawny? Comment il a pu partir devant sans qu'il le voie? Bravo, vous l'avez effrayé. Mais allez le chercher, bon sang. On l'a pas effrayé, il est hypnotisé ou je sais pas quoi là, il est contrôlé par je ne sais pas qui. Du coup, on l'a perdu. Super. Ah, j'ai failli le louper parce que bleu sur les teintes du sol là, on le voyait à peine. Voilà, un premier coup d'essai déjà. Ok. Oh, ça va. On a vu pire. On a vu pire. Alors, pour qui? Pour Peach? De la Bowser Junior? C'est un espèce de canard, mais en forme de Bowser Junior. Ok, allez, continue. Continue. Puis on va s'arrêter devant le drapeau du prochain chapitre, hein, comme d'hab. Donc ça, je ne peux pas le faire, parce que je n'ai pas... la vrille ou je ne sais pas quel pouvoir. Mais c'est qu'il est intéressant. C'est qu'il pourrait être intéressant quand même le petit gars là. Boum, tiens, hop. Voilà, donc c'est juste devant. Ok. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Sur ce, je vous dis ciao et on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures qui arrivent bientôt à leur terme. Il reste le chapitre 7, 8 et 9 qui risquent de ne pas être les plus simples. Hein. Forcément, plus on avance, plus ça va être compliqué, surtout que... j'ai vu quelque chose sans le vouloir sur internet, comme quoi il y aura un boss double ou triple. Je ne vous dis pas qui sont les personnages qui sont concernés, mais si j'ai bien compris, ça risque d'être compliqué de gérer plusieurs boss en même temps. Sur ce, on se dit à bientôt, et ciao, bye bye.